commence par un rêve. Oui, c'était un rêve où j'étais dans une forteresse et il y avait des loups qui me guidaient tout au long de cette forteresse-là. Et j'avais, voilà, ce loup était tantôt amical et tantôt me tenait par la gorge. Et puis j'arrivais à un moment donné au bord d'une falaise et je ne savais pas quoi faire, je me sentais enfermée. Et du coup, je me disais, qu'est-ce que je fais? Et je demande conseil au loup qui me regarde et qui du coup saute dans le vide et se transforme en plein de petits oiseaux. Et du coup, ça forme un seul grand oiseau et voilà. Qu'est-ce que t'as? J'ai le ventre. Je peux pas rester. Je rentrerai tôt. Tu as du Doliprane dans la salle de bain, c'est la boîte orange, pas la jaune. Tu t'allonges si tu as mal et je serai là avant 20h. À ce soir. Ben alors, t'étais où? T'es pas encore prêt? La pièce commence dans même pas une heure. Je m'en branle de ton spectacle, j'ai d'autres choses à foutre. Allez, Joris, t'as promis à papa. Et alors, c'est un politicien qui va me faire chier sur des promesses? Tu te changes immédiatement et on y va. Ne me fais pas chier. Dépêche-toi, s'il te plaît. Ne me fais pas chier, je te dis. T'as entendu? Ne me fais pas chier. Si mon père apprend ce que tu viens de faire, il te tue. Bah, le mariage au printemps ou au début de l'été, on n'a pas encore décidé. Et en même temps, je suis pas très pressé d'arrêter de vivre dans le péché. Mm-hmm. Ah, je te taquine. Et le bébé, c'est pour quand alors? Le bébé? Quel bébé? Y a pas de bébé. Arrête. Tu l'as pas dit? Quoi, me dis pas que t'es enceinte. Mais non, ton frère voulait juste te dire qu'il nous souhaite d'avoir bientôt un enfant, mon amour. Et ça, ça vous fait rigoler, ça? Ouais. T'as toujours eu un humour de merde, toi. Il se passe quoi, là? Eh bah, dis donc, les fils chevaliers, va falloir songer à partager l'héritage. Hein. Si c'est pour dire des conneries, je préfère que tu la fermes. Une belle-mère plus jeune que toi, c'est un gros fantasme, ça, non? D'enferme-la, c'est quoi que tu comprends pas? Pourquoi tu t'énerves? Parce que tu me fais chier, voilà pourquoi je m'énerve. Quand on s'énerve, c'est qu'on a des trucs à se reprocher. Ben bon appétit, hein. Pour avoir la question, s'il vous plaît.